C'est la zone de glace. Et ici, on va trouver le rayon gelé. Évidemment, of course. La musique ici, c'est la préférée d'énormément de fans. Mais de toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça se bute ça? On dirait bien. Hein. Descends là. Voilà. Je l'aime beaucoup, comme la musique d'intro et celle de Magmour. La première zone, j'ai bien aimé. Celle de Magmour est évidemment absolument géniale. Pour le moment, celle-ci, je peux pas dire. Ça marche. Bon, je présume qu'il faut pas sauter là-dedans. Un peu congelé. J'allais dire, j'ai besoin de soins. Alors, ça ressemble à un rayon gelé, ça. Oui, ça doit être ça. C'est le bienvenu. Le personnel de la section balistique est prié de se présenter au laboratoire de recherche Hydra. Le plan de confinement 3A doit rester en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Oui, très certainement. Le nouveau personnel est invité à se présenter au centre de recherche sud. Toute absence sera pénalisée d'une réduction de 30% des rations et d'une augmentation des tâches quotidiennes. Pas de dessert pour les ingénieurs! Le temple ouest est sécurisé par un verrouillage de niveau 2. Tous les projets sont reportés. L'accès au temple est strictement interdit. Alors, j'ai accès à quoi ici? J'ai l'impression qu'il y a des portes un peu partout, mais pour le moment, pas vraiment accessible. Il se trouve que je suis venu ici un petit peu trop tôt. Il faudrait quand même que je tente de faire trempette pour voir ce que ça me fait. Le problème, c'est que... Où est-ce que je vais remonter? Ah non, ça va apparemment. Est-ce que je peux monter par ici? Je pense pas. Non. Ça, c'est trop haut. Cette plateforme est maintenue en suspension au moyen d'un système de propulsion à gaz fixé sous sa base. En tout cas, je peux rien en faire. Ça, c'est trop loin. Ou alors, si je peux les dégommer, peut-être, je sais pas. Mais si ça descend, ça me servira plus à rien. Thank you.
La porte directement située au niveau supérieur a été déverrouillée. Ah bah d'accord. Moi qui pensais que c'était avec un rayon de glace, bah non. Ouais, il n'y a plus le dispositif dessus. Un bombu à diffusion, des tentacules électriques sont rattachés à son corps. A l'instar des autres espèces de bombus, seules les attaques à base d'énergie électrique peuvent affecter ces créatures. Ouais. En gros, on nous dit esquive pour le moment. Non, j'aurais pu analyser s'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Un bébé chigote. Une carapace de glace robuste protège la région dorsale de ce prédateur polaire. Les jeunes chigotes possèdent une carapace de glace pour protéger leur région dorsale relativement fragile. Comme il s'agit de leur unique point faible, les bébés tournent très rapidement autour de leurs adversaires de manière à ce que leur dos ne se trouve jamais dans leur angle de tir. Ah, c'est comme ça. Alors les bébés. Merde. Allez, on y va là. Pas besoin d'attendre en fait. Tiens. Non. Et non. J'ai pas essayé le missile. Ok. Un fouisseur polaire. Oh bah, c'est comme les autres. Hein. Allez, sors.
Ah, là, je pourrais peut-être traverser jusque là-bas, mais ça me paraît loin quand même. On va commencer par là, hein. Ils sont chiants ceux-là. Je peux pas bien tourner autour parce que il y a cette butte là qui me gêne. Ça, c'est des grosses boîtes. Je peux pas les destroyer. Des écrits de Chozo. Tant de créatures souffrent avec nous, victimes du fléau qui s'est propagé sur Talon 4. Nous pouvons cependant soulager notre douleur en rêvant à des lendemains meilleurs. Nous nous demandons si le jour viendra où nous pourrons rouvrir cette porte et détruire enfin les ténèbres qu'elle contient. Quoi qu'il en soit, nous devons rester vigilants. Nous savons qu'un jour un sauveur surgira pour continuer ce que nous avons commencé. Nos armes et notre armure ancestrale lui sont destinées. Celui qui les portera sera l'élu, le seul être capable de venir à bout de ce mal rampant. Tout à l'heure ça marchait bien là. Et voilà. Tiens, ta vieille carapace. Hein. Faut peut-être que je remonte en fait. J'en ai de là-bas, je crois, non? Pas tout à fait. Hein. Il y a ce dispositif là. Aucun honneur? Non, pas du tout. Ceux qui se battent avec honneur, ils ont... Comment dire? Ils ont plus la possibilité de le dire. Le réalignement des plateformes est terminé. Ah bah voilà! Ça se casse la gueule. Mais oui, en fait. Bon, j'aurais peut-être pas dû commencer par ça, mais bon.
Mieux vaut être malin que mort, effectivement. Il s'est battu avec honneur. C'est bien, ça lui fait une belle jambe. Il est où maintenant? Il est plus là. Oh, c'était pour revenir là quand même. La boule turbo. Alors, activez la boule morphing et appuyez sur L ou B pour charger. Et je présume que je pourrai accéder à quelque chose avec ça. Pourquoi on m'a montré ça ? C'est juste une impulsion, quoi. C'est bien pour remonter des pentes, quoi. Mais ici, je pense pas en avoir besoin, si. Ah, si. Non. En fait, non. Plateforme déconnectée? Quoi? On peut slider genre comme dans Tony Hawk Skateboarding. C'est ça que tu veux dire? Genre là, je peux faire ça? Ah oui, c'est bien ça. Ah, c'est trop bien. Ah oui, ça c'est bien ça. J'aime. Ça par contre. Hein. Et non, c'est pas le bon endroit ça. Mais comment je vais passer là s'il se met là lui? Il est chier. Tiens. Allez, charge. Très bien. Alors ça, je pense que je peux pas encore y accéder. Oui, c'est ce que je fais, ça, là. Enfin, là, je peux pas, puisque je l'ai pas lock, mais... Je sais que je peux strafe. Je suis pas allé ici. Est-ce que je peux l'analyser d'ici? Ah oui. Tandis que le grand poison se propage dans les profondeurs de la planète, nous, Chozo, commençons à sombrer dans le désespoir. Nous devons absolument entreprendre quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Un temple destiné à contenir ce mal obscur est en cours de construction. Le centre de cet édifice renfermera un monogramme
Un verrou mystique que seule la réunion de 12 artefacts pourra ouvrir. Il contiendra autant de pouvoir que nous, Chozo, pourrons en générer. Hélas, nombreuses sont les incertitudes qui demeurent. Parviendrons-nous à terminer ce temple à temps? Cet édifice et son monogramme seront-ils suffisamment puissants pour contenir les courants empoisonnés qui menacent notre terre? Le seul Metroid que j'ai vraiment pensé, c'est Metroid Pinball sur Game Boy. Donc le seul qui n'est pas un Metroid, quoi. C'est ça que t'essayes de dire. Donc ça, pour plus tard, à mon avis, il faut arriver par là, ou je ne sais trop comment. Bref. Le seul que t'as fait, Audi, c'est Metroid Dread, qui était très bien, soit dit en passant. Je connais cette silhouette. Ah oui, c'est beaucoup trop loin, ça. Par contre, le fait d'avoir débloqué la boule qui accélère, là, ça m'a peut-être ouvert un truc. Je sais pas. Là, comme ça, je vois pas trop comment je vais m'en servir, à part sur les espèces de rampes tout à l'heure. Ou pour remonter une pente, comme je disais. Là, j'ai l'impression qu'il y a rien d'autre ici. Pourtant, j'ai l'impression de pas avoir terminé ici. Ouais, je sais pas trop. Bon, c'est pas anodin le fait que j'ai vu l'autre survoler la zone. Non, je pense pas. Le truc, c'est que... Seul... machin auquel j'ai pas pu accéder, c'est ça. Il y a une espèce d'entrée, mais... Peut-être aller voir quand même. Hein. Peut-être maintenant, avec... l'amélioration de la boule, je peux faire quelque chose. C'était par là. Ouais. Non, c'est pas par là, ça c'est la sauvegarde. D'ailleurs, on va en faire une. Ils sont bizarres ces piafs, ils m'attaquent pas. Pourquoi? Ils sont juste là pour m'emmerder en fait quand je vais essayer de passer quoi. Ah oui, mais c'était ce truc là en fait. Ok. Est-ce qu'il y a des rampes ou un truc comme ça?
C'est au-dessus de ça. Après, je sais pas trop comment sont présentés les passages secrets. C'est un petit peu au-dessus et sur ma droite. Comme si c'était là, quoi. Ah bah, ok, c'est là. C'était trop évident pour mes yeux. Donc je peux pas, magnétisme. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau là? Les ruines Chozo. Et la surface de Talon. On va aller là-bas. Comment on fait? Ouais, ça sert à rien. Il sait même pas par là en fait. Ah si. À droite. Ça. Je suis paumé là, c'est en bas, c'est ça? Ouais. Puis ascenseur, ok. Merde, j'avais oublié ça. Est-ce qu'elle se passe, hein? Oh merde. Trop pressé.
Non, ça c'est pour revenir. Il y avait quoi par là déjà? De la lave. Plus rapide quand même. Alors, ici j'ai quoi de beau? J'ai donc ce truc là, mais faut que je puisse l'atteindre. Et sinon... Unité de sécurité du temple. Ça c'est le... pas d'où je viens, je sais même plus en fait. Accès libre. C'est juste là. Mais encore une fois, je sais pas trop comment y accéder. Déjà, il y a des trucs auxquels je peux accéder maintenant. C'est pas le seul truc dans cette zone. Alors, l'autre est plutôt au-dessus. Ça c'est mort, je pense. Attends, je suis pas allé par là? Apparemment pas.
Ah, attends, avant ça. Je crois que c'est les pirates, ceux-là. Je vais d'abord essayer de monter ici. Je crois qu'il n'y a pas de chemin. Quoique. Je peux pas monter, je crois. Je me prends un peu mal. Enfin, s'il y avait un ennemi ici, c'est que on peut forcément y monter. Quoi? Recherche d'autres structures en demi-lune. Quoi? C'est quoi une structure en demi-lune? Allez, monte! C'est bon. Mais ça sert à rien, si. Non, ça sert à rien. Ah, c'est ça pour le boost en Morphing Ball. D'accord. En fait, c'est ça les indices. Il s'est barré. En gros, quand tu traînes, ça te backseat. Ah, ça me va très bien. Hein. Cette caisse ressemble au conteneur trouvé à bord de la frégate de recherche des pirates de l'espace. La substance qui s'échappe de cette structure, métallique, fendue, est fortement toxique. D'après les analyses, il semble s'agir de la composante Phazon, une substance très complexe que les pirates de l'espace utilisent dans leurs expérimentations biologiques. Non mais c'est bien parce que... s'il y a juste un truc à trop avec ça... Après c'est peut-être juste pour accéder à des missiles ou je sais pas quoi, non? C'est pas forcément pour la suite. Ah non, c'est la suite, ok. Mais je vais quand même prendre le temps de regarder ailleurs. Mmh, je pourrais pas l'atteindre. Quand le jeu te trouve mauvais, Ethan. Putain, mais il doit te spammer, toi, c'est l'orc. Oh, ça va, j'ai de la chance. Toi, il t'a jamais rien dit, mais non, c'est parce que tu l'écoutes pas. C'est pas pareil. Bon, je pense qu'il faudra la tenue genre aquatique, je sais pas trop quoi, pour avancer. Donc on remet cette section à plus tard. Écoute-moi, au moins j'ai fait la version originale de Metroid Prime, certes. T'as perdu combien au niveau de la vue? Parce que ça devait être rude quand même. Hein. Là, du coup, il faut que je retourne là où j'étais en train de jeter un objet. C'est ça. À l'époque, on disait rien, mais c'est vrai? Et maintenant, les gens ne jurent que par les graphismes. Autant que toi sur DQM? Non, c'est pas possible, moi j'ai déjà la vue complètement éclatée, donc pour moi ça change rien. En fait, quand tu retires tes lunettes, si t'en portes, hein, évidemment. DQM, c'est net, hein. Faut juste que t'aies moins 6 partout, déjà. Salut Marvel, comment ça va? Alors, attends. Il me dit que c'est censé être là? Alors, comment je fais pour pivoter? Ok, comme ça. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, là, mais... Il y aura un truc à faire ici.
Mais est-ce que si t'enlèves les lunettes, ça enlève les frises quand ta team est complète sur des QM? Moi, ça frisait pas. Ça frisait? Alors, attends, comment ça marche? Ah oui, d'accord, c'est là. Ouais, j'aurais pas trouvé, je pense, hein. Il va falloir travailler ta voix de mauvaise foi. Moi jamais. C'est pas mon genre. Moi je suis pas tout à fait au bon endroit. Ouais. Ouais, il vaut mieux être plus par là. Je sais pas. Si ouais, je vois une cavité. Bah alors? Pourquoi il freine? Attends, mais il va vers le mur là. Faut y aller là! Pourquoi il freine? Mais je tourne pas mon joystick, je fais qu'appuyer sur B. Je me cogne pas contre le mur, tu dis n'importe quoi. Je le bougeais pas le stick en fait. Pour moi ça devait se faire tout seul, tu vois. Et je te donne pas la manette, toi tu sais pas jouer. C'est pour ça que t'abandonnes sur tous tes jeux d'ailleurs. Allez, c'est parti! Je crois que je suis en train de me faire bouffer par un moustique là. Parce que le baume à lèvres sur les pieds, c'est pas ouf. Vous avez vu mon vaisseau? Il est beau, hein? Oui, chef. Là, il a serré les fesses au Mikami, il a cru que j'allais louper mon saut. Moi aussi, d'ailleurs. Les bottes de saut spatial. Donc appuyer sur LB pour sauter, une fois dans les airs, appuyer de nouveau sur LB. En fait, c'est un double saut, quoi. On est chichi, là. Hein. C'est totalement ça. Mais c'est pas ce qu'elle a fait dans la vidéo, là. On m'a arnaqué. T'en as un qui raye les CD et l'autre qui sait pas jouer. Eh ben, dites donc. C'est un saut spatial, même, j'ai envie de dire. N'empêche, j'ai essayé le dentifrice sur le CD. Ben maintenant ma Wii U elle pue plus de la gueule mais il marche pas mieux quoi. Alors du coup ça m'a ouvert plein de trucs là.